Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, on réattaque sur le niwaki, le hêtre pourpre formé en niwaki. Je vais donc faire une petite taille en verre. Maintenant, on a vu sur d'autres vidéos, je vous ai montré déjà comment je l'avais formé. Et là maintenant, il a bien poussé, on est début juillet, c'est la période pour faire une taille en verre. Et on voit bien que malgré les quelques attelles et les quelques haubans que j'avais mis, il a besoin d'être rééquilibré encore. Et puis ses branches qui ont toujours, alors qui ont bien poussé, mais qui ont fait une croissance oblique, et c'est pas ce que je recherche. Donc là, je vais retravailler dessus. Je vais vous montrer aussi peut-être le résultat ou en tout cas ce qui s'est passé au niveau des haubans et au niveau des attelles. On va découvrir ça ensemble. On regarde ça maintenant. Alors voilà, on s'approche un peu plus du hêtre et puis on va observer dans un premier temps. Alors si on commence par le bas, voilà, il y a quelques départs qui ont bien poussé. On va voir aussi de ce côté-là au niveau de cette attelle-là. Il va falloir que je redresse ça. Donc on va regarder ça petit à petit, et puis ici il y a cette belle branche aussi qui s'est formée, mais elle est trop longue maintenant parce que sinon elle risque de dépasser. Je commence par le bas, ici j'avais un hauban qui tirait cette branche là, voilà, on le voit ici, voilà, il est ici, hein. Et bien il est maintenu, par contre j'ai cette partie là qui pousse à la verticale ici, ou à l'oblique, ça ne m'intéresse pas, donc dans la taille en verre, je la supprime. Et puis ici j'ai aussi un prolongement alors qui vient du dessous ici. Vous voyez, en fait, ça vient là, j'avais taillé ici et c'est reparti par là. En fait, il a envoyé plus d'énergie vers là et il a limité ici à l'extrémité. Alors que moi, c'est ce que je voulais. Et puis comme il a fait très sec à un moment, on a eu un petit peu une période très chaude là au mois de juin. D'ailleurs, on voit un petit peu toutes les extrémités ici qui ont un peu séché. Et donc, eh bien, ça ralentit sa croissance. Mais on va reprendre ça derrière. Voilà. Et donc là, je recoupe simplement ici, de façon à limiter celle-ci, mais à avoir quand même de la ramification ici sur la branche. Ici, je ne vais pas y toucher plus, je vais peut-être enlever, si je veux garder un peu un plateau, je vais peut-être finalement supprimer ça ici, ça va faire une petite taille aussi de transparence pour qu'on arrive à voir entre les différents plateaux. Voilà, notamment ici, vous voyez, cette branche-là finalement, je vais la raccourcir ici, voilà, et puis épointer ça, qui a séché aussi, hein, toujours avec la sécheresse. Et puis enlever quelques grosses feuilles, on va essayer, voilà, je supprime quelques grosses feuilles de façon à donner un peu de transparence, voilà, on voit au travers. Et puis ici par exemple cette branche du dessus, eh bien elle n'a pas trop de feuilles sur le dessous, donc c'est pas mal aussi. Ici je vais juste épointer ça parce que c'est sec et que j'ai un bourgeon ici qui veut redémarrer. Et puis là, je vais avoir un peu de travail sur cette branche sur laquelle j'avais mis une attelle. Donc l'attelle, on peut regarder, hein, les ficelles ne blessent toujours pas. Donc je maintiens comme ça. Voilà, ça n'a pas blessé. Voilà, on voit que l'écorce n'est pas abîmée. Donc je maintiens comme ça pour l'instant. On verra simplement à l'automne. Par contre, ce que je vais faire, c'est que par exemple ici, j'avais taillé ici, attaché là. La branche a redémarré par ici. Donc je vais devoir attacher ça ici. Donc voilà, là je vais attacher cette branche sur son attelle ici. Elle est trop à l'oblique, il faut que je la mette à l'horizontale comme ça. Et je vais travailler, alors vous voyez là j'ai plusieurs branches, mais la branche principale, elle est là. Donc je vais la forcer à venir ici comme ça. Donc déjà dans un premier temps, je me fais de la place. Ici j'avais une branche qu'il faut que je supprime. En fait c'est le reste de la branche que j'avais coupée cet hiver. Ici je vais supprimer ces feuilles-là. Éventuellement celle-ci qui est grosse aussi, qui me gêne, ça a séché, je le reprends un peu, et puis ici je vais la forcer, alors donc je vais l'attacher ici, dans un premier temps je la maintiens ici pour la plaquer le plus possible sur la telle, voilà, 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 ça fait une attache supplémentaire, et puis je vais venir ici aussi, alors c'est fin comme branche, mais bon, elle grossira. Et ça va lui donner, alors là je pince ça, et ça va lui donner une forme, un axe, ça va l'orienter. Elle a séché elle aussi, on a eu vraiment un gros coup de chaleur jusqu'à 40 degrés l'avant-dernier samedi du mois de juin. Voilà, et puis ici, alors j'enlève tout ce qui est dessous, voilà, je vais m'enlever celle-ci. Et ici, je vais attacher simplement comme ça. Voilà, c'est juste, je les guide. Tant qu'elles sont souples en plus, c'est très simple à faire.
toujours plus facile de travailler sur des branches souples. Donc c'est un suivi régulier. Et puis là, ce que je vais faire, comme il y a, vous voyez, il y a deux branches ici, il y en a une troisième, une quatrième, et celles-ci, les deux ont la même longueur, donc je vais les dissocier un petit peu, je vais réduire celle-ci, ici, voilà, je réduis celle-ci, et celle-ci a un bourgeon. Alors ici, c'est à deux bourgeons depuis la base de la tige, et ici, je vais faire à trois bourgeons. Voilà, et je vais faire la même chose ici, à deux bourgeons. Et voilà, et cette branche-là continue d'être guidée. On voit qu'ici, j'avais donc conservé ces branches-là, ici une, ici derrière une autre, mais je trouve que ça manque ici de transparence. Les feuilles sont grosses, voilà, ce qui est normal, hein, c'est du hêtre hein, quand même, et puis ça a poussé un petit peu encore à la verticale aussi, ça fait un peu fouillis, mais en même temps, je veux pouvoir avoir une espèce de vision au travers de l'arbre, autrement dit de la transparence, parce que vous voyez, c'est relativement compact, si on regarde de loin, c'est relativement plein. Donc voilà, je vais essayer de libérer la vue et notamment en supprimant toutes ces branches qui sont à l'intérieur. Ici, vous voyez par exemple, j'ai celle-ci qui a poussé. On voit, elle est là, elle monte et elle sert à rien. En fait, elle bouche la vue, elle bouche la vision, elle bouche l'espace. Donc, je la supprime ici et de suite, on voit bien que je vais gagner en clarté. Et puis, je vais avoir le même cas partout ici, où je vais supprimer, ou je vais redresser un petit peu de façon à avoir le passage de ma vision qui passe au travers de l'arbre. Ici par exemple, c'est pareil, on a celle-ci qui part trop à la verticale ici, je ne vais pas la guider non plus dans l'autre sens, et puis de toute façon elle a démarré sur cette branche-là et elle n'est pas partie comme je voulais. Donc celle-ci je la supprime aussi, et ça va me permettre de libérer une vision sur le tronc ici. Voilà, donc là je supprime ça. Et puis je vais bien voir parce que j'ai sûrement certainement même à supprimer derrière ici si je veux me donner une vision sur le tronc. Donc là, pareil, je supprime ici et là, voilà, ça m'a donné l'ouverture sur ce magnifique tronc hein, parce que l'écorce est jolie, hein, c'est l'écorce du hêtre, elle est sympa quand même. Voilà. Hein. Alors petit à petit, ça se libérera et puis le bout de cette branche, c'est pareil. Vous voyez, ça part comme ça et ça commence à monter un petit peu à la verticale. Celle-ci vient la rejoindre, donc celle-ci c'est clair, il faut que je l'enlève. C'est ce que je fais de suite. De toute façon, sa base, elle est sur cette branche-là. En fait, c'est le prolongement de ce que j'avais taillé aussi au printemps. Donc dans un premier temps, je supprime ici pour mieux voir et puis après, j'y reviendrai. Voilà, et petit à petit encore, voilà, celle-ci s'est bien développée mais elle va trop vers l'autre. Donc je tout taille, hop, je supprime ça. Et puis après je vais affiner. Hein. Et ici on voit bien quand même que ce que j'avais un petit peu initié dès le départ, cette forme plate sur le dessous, si on relève un peu, on voit bien qu'il n'y a plus de branches ici et ça commence à faire quelque chose de plat. C'est intéressant. Alors il faudra encore attendre un petit peu pour que ce soit vraiment plus visible, mais on est pas mal. Et puis ici, c'est pareil, j'ai cette branche qui vient ici, elle n'a rien à faire là. Donc dans un premier temps, je vais la tailler là et je reviendrai dessus. Voilà, je continue la taille, par exemple, de transparence ici. Alors ici, on a vraiment un bouquet de branches. Ça, vous voyez, ici, celle-ci, elle est partie de là, elle revient vers l'intérieur. Ensuite, on en a une autre ici, elle est partie d'ici, elle va vers l'intérieur. On en a une autre ici qui descend. Donc ça, c'est clair, j'éclaircis, j'aère, hop. Je donne de la transparence. Voilà, vous voyez, c'est juste là, dessous. Voilà, et là de suite, ça m'éclaircit un petit peu le passage. Allez, je continue et je vous montrerai tout ça maintenant à la fin. Après avoir tout taillé, je vous montre ça. Alors au passage, voilà, j'ai trouvé une belle chenille. Alors je pense que je n'y ai pas touché avec la main. Si elle est urticante, c'est tant pis pour moi, elle a beaucoup de poils quand même. Et à la limite, eh bien, si vous savez ce que c'est, la chenille de quel papillon c'est, vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. Moi, j'avoue que je ne sais pas. Voilà, mais je vais la laisser. J'espère surtout que je ne vais pas trop l'embêter. Alors par contre, ici, je viens de me rendre compte que le lien que j'avais mis pour faire le ruban, eh bien, il commence à rentrer dans l'écorce. Vous voyez, ici, si on regarde bien, c'est plus coulissant, rien du tout. Donc je le supprime, bien entendu, et puis je vais en remettre un autre parce que si je coupe, il y a des chances que la branche remonte. Si on fait ça, par exemple, est-ce que la branche va remonter?
On va voir. Mais voilà, elle remonte un peu. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas formée encore tout à fait là où je veux qu'elle soit. Donc je libère ça pour que l'écorce ne s'abîme pas trop, même si c'est déjà un peu trop tard. Je pense que sur le... Alors déjà c'était un lien organique, hein, c'est de la ficelle qui est biodégradable, mais en plus je pense que sur le hêtre ça n'est pas trop gênant. Mais enfin ça a bien marqué, ça ne me plaît pas trop. Ça a bien marqué, on verra bien avec la suite des événements. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je le forme, il faut que je le dirige autrement. Voilà, je vais le réattacher, mais à un autre endroit. Alors ici, j'ai un exemple concret de... qui prouve bien que, en fait, l'arbre, il fait ce qu'il veut. J'avais donc taillé, j'avais mis cette attelle. J'avais mis cette attelle donc avec cette branche. Voilà, ici. Voilà, tout simplement. Et puis, j'avais taillé ici en conservant un bourgeon de bourgeon, pensant que ce serait eux qui démarraient. Bien, lui, il en a été, il n'était pas d'accord. Donc, il a fait démarrer un bourgeon derrière ici, donc la branche ici que j'avais conservée, le bout de branche, là maintenant je vais le supprimer parce qu'il me gêne en fait pour pouvoir refixer ici. Ça va faire trop, voilà, ça va pas être génial. Donc je vais supprimer pour pouvoir reformer cette branche là, en tout cas la refixer sur la telle et repartir. Voilà, donc comme quoi l'arbre fait bien ce qu'il veut. Nous on le guide un petit peu, on lui donne un petit peu le chemin qu'on voudrait qu'il prenne, mais c'est lui qui décide. Et là, eh bien, je fais une taille propre et nette. Voilà. Et là, je vais reguider comme ça. Voilà, donc ici, ben, force de tailler. Et puis, on a donc l'habitat idéal pour ce genre de parasites. Ce sont des pucerons lanigères, pucerons laineux, comme on dit aussi en français. Voilà, ils sont bien à l'aise. Et alors, donc, de toute façon, cette branche-là, elle ne m'intéresse pas parce qu'elle part vers le bas et puis elle retourne vers une autre branche ici, donc je vais supprimer. Et vous voyez, on est plein dedans. Le hêtre, c'est un des hôtes du puceron lanigère. Donc là, je vais vous montrer plus en détail en récupérant par exemple cette feuille. Voilà, et il y en a plein là. Alors je sais pas, je vois pas bien, mais on doit les deviner. En fait, il sécrète cette espèce de laine là, ce filament, c'est pour se protéger. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se nourrissent de la sève de la plante. Et donc, c'est aussi vecteur de virus, éventuellement. Voilà, ils sont minuscules, hein, si vous voyez bien. C'est pas le vent, là, qui les fait bouger. Hein. C'est vraiment de minuscules petits pucerons qui ont leur laine autour. Mais voilà, ça bouge dans tous les sens. Voilà, et on voit bien aussi cette araignée, cette belle araignée verte qui protège ses petits. Voilà, si vous savez aussi ce que c'est, n'hésitez pas à nous partager son nom. Voilà, elle a fait une boule et je pense que c'est ses petits dedans qu'il y a. Alors voilà, la taille en verre est terminée, la taille de transparence. Vous avez vu comment c'était au début, vous voyez comment c'est maintenant. C'est terminé pour la saison, je ne vais plus y retoucher avant l'automne prochain, voire l'hiver prochain, pour faire la taille, une taille de formation, de suivi, et on verra peut-être ça l'hiver prochain. Là, on était sur la taille en verre 2022. Et puis vous avez pu voir aussi dans ce que je vous ai montré que j'ai trouvé quand même plein de petits insectes notamment. Et tout ça pour dire qu'en fait un arbre c'est vraiment un écosystème à part entière. Et notamment alors ici un arbre individuel, alors je l'ai un peu travaillé mais ça reste quand même un habitat pour des petits insectes, des petits animaux, mais aussi dans la nature et notamment en forêt, c'est vraiment des écosystèmes complets et c'est très important. Et ça me permet de vous inviter à lire aussi ce petit livre qui est écrit par alors Peter Wallenben, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est L'horloge de la nature. Cet auteur avait déjà commis un autre livre, un best-seller sur la vie secrète des arbres, voilà pourquoi je vous en parle aussi. Et puis celui-ci, moi je l'ai trouvé très sympa, il nous permet, alors il nous invite à nous laisser guider par nos sens et on aimerait peut-être apprendre à prévoir la météo en nous appuyant sur les signaux que la nature nous lance ou comprendre les animaux et les plantes qui nous entourent. Ça fait partie des livres de ma bibliothèque, ça vaut 12,95€, c'est un livre qui a été édité en 2017 je crois, il est encore disponible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie une fois de plus d'être passé me voir et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.